Bien belles ces bouteilles. Oui, je sais pas ce que ça vaut, ce qu'il y a dedans, c'est quoi? C'est quoi? Un vin pibanais. Libanais. Ah oui. Parce que ça ressemble à un thé quand même. C'est quoi? Hein. C'est un peu. Libanais. Alors c'est un vin particulier. On est bon? Dans sa zone de production. Il a été fait dans la vallée de la Beka, où il va. C'est vrai que la vallée de la Beka, on la connaît plus au niveau actualité, pour une terre de conflit, une terre de tension, et non pas une terre d'émotion viticole, je ne crois pas. Et pourtant, ce vignoble était planté sur les monts qui donc, entourent la plaine de la Beka. Il est élevé, je crois, aux alentours de 700-800 mètres. Il est sur les coteaux, un peu comme les coteaux rôtis en France. Et c'était un vignoble très ancien, peut-être aussi ancien. C'est un vignoble méditerranéen, bien sûr. C'est un vignoble, c'est un mélange de cépages bordelais et de syrah. C'est fabuleux. Donc, un bordelais avec cette ardeur du merlot et cette douceur un peu sucrée du syrah. Vin de garde excellent. Alors, par contre, seul problème. Il faut le boire vite. Surtout, il y a deux choses. Un, il ne faut pas se dépêcher à le boire parce qu'il faut au moins le décanter pendant 2 à 3 heures. Et on peut essayer, d'après certains experts, j'ai pas fait l'expérience, de le boire un peu fort. Un peu comme ces vins qui sont forts à l'alcool. Moi, personnellement, je l'ai dégusté en le faisant décanter 3 heures. Et il est merveilleux. Il est merveilleux, c'est-à-dire c'est un vin qui a beaucoup de teneur, de fruits. Le degré de combien? Il vaut 60 euros la bouteille, madame. Oui, dans le degré, les degrés. 15 degrés. Et c'est un vin doux alors? Vivant. Pas suivi. La plaine de la Beka. Voilà. Martine Jardinet, Pascal Lafargue, bonjour. C'est une grande première cette année là. Emmaüs qui vient sur la rive droite faire son salon. C'est chic ça. C'est chic et ça va très au-delà du simple affichage. On est avec nos amis de Darwin, Philippe Barre et Jean-Marc Lancy, dans une vraie communauté philosophique de la vie, tout simplement. Développement durable, simplicité volontaire. Sobriété, et c'est aujourd'hui un devoir absolu que le secteur associatif montre qu'on peut vivre et faire autrement que d'être dans la consommation, la surconsommation. Et cette société qui part en déliquescence exclut de plus en plus. Et c'est une chance que nous avons d'être ici chez Darwin, d'avoir des partenaires comme le Conseil Général qui partagent également un certain nombre d'idées et qui nous accompagnent dans les moments qui deviennent de plus en plus difficiles pour les grands esprits. Martine Jardinet, vous êtes une fidèle d'Emmaüs. Une fidèle d'Emmaüs, mais exactement comme le disait précédemment Pascal Lafargue, ça dépasse largement la question de l'amitié entre des personnes et la reconnaissance entre des personnes. C'est philosophiquement, idéologiquement, que nous sommes totalement en phase avec Emmaüs, tant dans ce qu'il propose que dans le sens de récupérer, je crois, cette affiche, j'étais en train de regarder cette affiche, ne jetez pas votre cœur à la poubelle, il peut encore servir à Emmaüs. Je crois que c'est ça le sens.
c'est-à-dire réellement ce qui est de l'ordre du développement durable, mais aussi ce qui est de l'ordre de l'insertion, ce qui est de l'ordre de l'emploi, ce qui est de l'ordre de l'accompagnement des personnes, c'est-à-dire de tout ce qui fait société. Et je crois que c'est en ce sens que le Conseil Général est à côté d'Emmaüs, et avec Emmaüs, et non pas uniquement à côté d'ailleurs. Oui, ça redouble de sens par la présence ici, à la caserniele. On est chez Darwin. On est dans des logiques de l'écosocialisme, au sens noble du terme, bien évidemment. Et Philippe et Jean-Marc nous font l'amitié de nous reconnaître comme étant le mouvement Emmaüs, les précurseurs du développement durable. Parce qu'on est donc basé notre action depuis 60 ans maintenant sur l'économie de la récupération. Et ça s'inscrit naturellement dans l'histoire d'Emmaüs, qui est un très large mouvement international et qui fonctionne aujourd'hui, la solidarité des pays riches envers les pays pauvres. Nous y tenons beaucoup, nous soutenons des tas de projets internationaux, mais aussi nous avons ce double regard, parce qu'on a à l'échelle de la nation française, voire de l'Europe, mais aussi à l'échelle d'un département ou d'une ville, les mêmes rapports qu'il y a au niveau de la planète, entre les riches qui sont dans la surabondance des biens de consommation et des pauvres qui vivent misérablement. Le carbone d'ici vit comme le tiers-monde de là-bas. Donc nous, association de lutte, association de militants humanitaires engagés, nous menons ce combat, nous sommes l'écho de ce qui se fait au niveau de la planète. Voilà, j'aime bien ça, on finit bien. Merci.